le vent, il est dans ce sens-là. Il est soit par là ou soit par là, dominant. Et ça, le chevreuil, c'est sûr que le voyage de même, là, il vire en rond de même. Il traverse le champ ici, là, puis il revient par l'autre bord. Salut la gang! Alain Mathieu, représentant Glenshank. Aujourd'hui, je suis venu faire ma saline malgré les confinements. Aujourd'hui, j'ai trouvé cette souche-là là, qu'on vient de prospecter pas pire. Là. J'avais de mon idée était déjà faite. J'ai tué un beau chevreuil l'année passée sur la pointe ici. Fait que j'ai décidé de venir les nourrir de plus en plus. Fait que c'est ça. Je vais faire un petit nettoyage vite vite autour de ma saline tantôt. Là. Je vais le taper à la neige, couper les branches, puis étendre tout le beau stock que vous voyez là, par terre. Fait que le stock que je vais étendre, c'est ici, on a les sels et les minéraux, trois saveurs. Toujours produit Glenshank. Ça, ça donne de l'odeur dans le sol, dans le fond, ça souche. On a ici le soufre, la poudreuse. Pas le soufre, la poudreuse volatile. Pomme fruitée qui donne beaucoup d'odeur dans les arbres, par terre. On a la farine Glenshank. Ça, c'est un petit extra que je mets là. Pas obligé de mettre ça vraiment au début, mais moi j'aime bien ça les nourrir. Fait que on va les en mettre là. On va leur faire un petit tas à part. Puis ici, ben, on a le liquide jam fruité aux pommes à base d'huile végétale. Qui va donner de l'odeur pas mal aussi dans le sol, qui fait que ça dure un peu plus longtemps que les autres aussi, c'est qu'il est mélangé à l'huile végétale. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Là. Moi, j'aime ça d'en mettre du sel, fait que j'en ai amené 25 kilos. Là. On va étendre ça tout le tour, puis ça va ressembler à ça. Bon, dans le fond, c'est pour vous expliquer, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un beau ménage autour, là. Je vais couper les branches, je vais mettre du sel sur ma souche, je vais mettre mon bloc par-dessus mon sel que je vais avoir mis sur ma souche, je vais remettre du sel par-dessus mon bloc, je vais mettre du jam, je vais remettre du sel, remettre du jam, mettre du sel, puis après ça, ben, je vais étendre ma poudreuse tout le tour, par-dessus ça, tout le tour, partout, un peu ces arbres. Puis je vais vous expliquer ce produit ici. Là, ça, c'est un leurre, dans le fond, 100% full concentré, dans le fond, de curiosité que je vais prendre pour me faire une ligne d'odeur 150 pieds, 200 pieds plus loin en m'éloignant de ma saline. Ça, c'est un. Il est non. Tu sais, il est comestible quand même, mais le chevreuil aime moins le manger par rapport à l'autre. Quand je vous ai parlé,
l'air de curiosité, full concentré. Il n'est pas conseillé de tirer dans ta saline, là, dans le fond, comparé à l'autre. Là. Ça, c'est vraiment fort fruité, là. Ça sent tellement. Là. C'est comme j'ai dit, je pars du 7, là, je suis à peu près à 75 pieds, 50 ou 75 pieds de ma saline. Je vais m'en aller par là, 150 pieds, jusqu'à temps que j'arrive dans le bois sale pour étendre mon leurre ultra concentré. Bon, mon spot pour mettre ma caméra sur ma saline qu'on a choisi là, dans le fond, c'est Star Blue. Je vais éclaircir ça au complet. Jusqu'à un pied de plus haut que ma tête, là, peut-être, là, à peu près. Pour être sûr d'éclairer toutes les branches qu'il peut y avoir en avant de ma caméra. Là, avec un bon angle. Là, un bon angle de, si tu veux, de 45 degrés chaque bord. Là, minimum. Pour enlever toutes les branches qui pourraient obstruer ma caméra. On va faire ça. Fait que là, j'installe ma caméra. J'ai libéré mes branches. J'ai plus rien qui. Tout est à découvert là, en avant. Fait que l'important, c'est moi j'installe tout le temps ma caméra à hauteur de ma tête à peu près. Là. Puis là, j'ai peut-être 26 pouces et un pied de neige. Fait que je vais la mettre à cette hauteur-ci. Là. En normal, j'essaie de me choisir un plus gros arbre que ça, là, pour pas que ça pointe dans le vent. Puis, j'essaie tout le temps de me mettre comme là, le soleil est rendu là. Le matin, il s'est levé là. Il va aller se coucher là-bas. J'essaie tout le temps de m'organiser pour avoir le soleil chaque bord, tu sais, puis qu'il reste en arrière de la caméra. Pour pas avoir de mauvais flash ou du trouble avec ça. Là. Salut la gang! La saline est faite, saline 2020, qu'on n'avait pas dit le premier coup. Caméra installée, à peu près 20-25 pieds. La saline, c'est un arbre, comme j'ai dit, hauteur de la tête environ, avec une petite angle qui descend vers votre saline. Bien sûr qu'il n'y a pas de branches. Là, j'ai fait le gros, je vais revenir dans un mois, mais qu'il n'y ait plus de neige pour couper ce qui peut vraiment déranger. Là. Puis c'est ça. On vous remercie de faire confiance au produit Glandchain. Si vous voulez vous en procurer, ben vous faites affaire sur Facebook, glandchain.com. Okay. Merci. Bonne saison.